Des comptes joyeux Flesix, on a Vladi. Ah, la DK en face, c'est un ETP Draven de base. Je sais pas s'il joue toujours Draven ou pas, mais. C'est qu'il fait partie des joueurs de Draven au Elo. Le rank quoi nomide en face, le Galio? Ah oui, 1637 LP! On fait de LP, ça dit donc. Ok, 14 stacks, chilling, ça gank mid, Vladi est vivant. On a forcé beaucoup quand même. Qu'elle me tue, hein. Yes, I'm triste. Yes. I'm smolder. C'est que si elle m'avait jumpé, elle m'aurait tué, hein, premier degré. Hein. Je vais jouer le blade. Hi. S'il te plaît, frère, j'en peux plus. La gros de la tour. Elle a son heal. Hein. Okay. Really cannot be left alone, please. Need scaling. If you leave me alone, I will never scale. Ok, pas si mal. Je savais qu'il allait faire ça, mais. J'essaie de faire un peu à chaque game pour expliquer comment jouer avec Smolder. En fait, je me dis, pourquoi est-ce que les mecs ne comprennent pas quand. En fait, au début, les mecs comprenaient pas. Donc ça se passait pas de ouf. Puis après, les mecs jouaient bien, entre guillemets, avec Smolder, donc ça se passait bien. Et là, les gens, genre, ne recomprennent pas. Je suis perplexe. Le problème, c'est que je leur dis quand ils le font, mais. Et t'es pas chiant de fou, hein. Ok, on récupère 2 kills, c'est déjà ça. Je vais aller mid. J'ai pas non plus envie de faire la chialeuse en fait. En fait, je pense que c'est ça qui m'énerve le plus, premier degré. C'est de voir genre chialer dans le chat, ça me saoule. Et d'être là et de me dire putain, mais. Genre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je chiale parce que j'ai plus de chance de gagner si les mecs m'écoutent? Ou est-ce que je chiale pas et je subis, tu vois? Et j'aime pas être une chialeuse en fait. En vrai de vrai, c'est surtout ça qui me dérange. Voilà, pour être totalement honnête.
Parfait ça. 12 HP la tourelle. Cleanse. Le gros de la tour. Boum. Nice. C'est comment calculer le buff de vitesse du Smolder si tu multiplies pas ta MS par 2 et même sans les bots ça fait pas non plus. Bah si t'as 100% de move speed non? 330, bon, on va voir, je suis censé gagner 330 quand je veux hein. Pourquoi est-ce que j'aurais pas 330? Je vais check mais... On va voir, j'attends la fin du... des home guard. Si c'est bon ça. Il gagne 100% de move speed, c'est normal, comme toute la move speed du jeu. Toutes les stats de move speed du jeu augmentent ta move speed en fonction de ta move speed de base. Du coup, bah vu que j'ai 330 MS de base, quand je gagne 100% de 330, ça fait 330. Un peu de temps à voir qu'elle était aussi le HP. Les TP ou pas? Je peux retaper un peu. Ouh, fuis petit dragon! Il va me faire chier lui je sens. C'était sûr qu'il allait me faire chier. Hein. Je le voyais venir, le père. Je vais le cut. Nice. Il a Sterak. Il va mourir, non? C'est vraiment très proche du set d'exec. Hein. Legendary. Tu as combien de pourcents d'exec là? Burn the target ding 6% max elf. Ok, donc avant c'était 6.5 c'est ça? Le champ est encore plus fort, no joke hein. On peut la flemme de faire une sec. Oh yeah, j'ai pris la go avec le dot. Stack bien sur les ghouls. Let's go, Challenger me revoici. GG. Thank you for carry my bad early. Ok ça, elle a pas de tilt. Chiche, on était contre le rank 1 à 2, en plus on a gagné beaucoup de points non?
Monter jusqu'à combien en exec? Théoriquement 100%. Ça reste théorique bien sûr. Vas-y bien je vous l'ai dit. Parce que c'est là Vénère qui met bot gap, ouais. 19 LP, bon on a rien gagné du tout. Bot gap, mais je lui mets deux fois ses damage. Chiche. Oh il a bien joué le bot, hein. Il a bien abusé sur les mispos de Janna, il a pas eu peur et tout la go-in. En vrai je pense qu'il aurait vraiment pu nous double kill bot quand il a tué Janna et qu'il a jump out. S'il jump in il me tue, ouais je vous le dis. Il me tue, il le savait pas mais tant mieux. C'est Janna qui met il proof. Ah ça va, c'est gentil de sa part.